bienvenue dans cette nouvelle édition du Millionnaire avec Bruno Moulin-Neuf. Bonjour à tous mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau du Millionnaire. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons passer à peu près 30 minutes en votre compagnie à essayer de vous divertir. Sur notre plateau, trois gagnants, dont un peu particulier, vont venir sur le plateau du Millionnaire et venir tourner la roue juste derrière moi pour tenter de gagner 1 million d'euros. Nous allons donc tout de suite commencer par le premier d'entre eux. Voici son portrait. Ling et Hang, frère et sœur. Ling et Hang viennent de... en France. Inséparables des deux Angélénés. Ils vouent aussi un culte à leur sucette fétiche. Ils aiment le Millionnaire et les desserts, notamment ceux au chocolat et la magie. Leurs autres hobbies, pour Ling, c'est tout ce qui brille. Pour Hang, les body girls. Leur rêve, pouvoir être enfin d'accord sur un point. Ling et Hang! Ah, oh là! Une demoiselle et un monsieur, ils sont deux, je vous l'avais dit, presque un peu parti. Bonjour! Bonjour! Comment allez-vous? Ça va super bien! Et vous? Maintenant, c'est super, je suis super heureux d'être là, franchement, c'est génial! Pardon? C'est nul, on va rentrer tard! Bon alors, et vous, ça va bien, c'est vous avez dit? Oh oui, moi c'est super, la vie est rose, le monde est rose, la roue est ronde! Logique pour une roue, hein! Alors, vous nous venez d'où? Il y a du niveau, il y a du niveau. DTC, bien, bien. Mais dites-moi, oui, vous n'êtes pas un peu jeune pour participer à l'émission? On a 9 ans et c'est tout. Oui, en fait, on a 9 ans tous les deux et on a gratté tous les deux et en fait, on a gagné tous les deux. Ça veut dire en fait qu'à nous deux, on fait 18 ans, donc on rentre au jeu. Oui. Tombe. Il y en a une qui sera pendue. Oh là. Alors qu'est-ce que c'est? C'est pourquoi vous avez toujours une pourquoi vous avez toujours une sucette dans la main? Comment vous dire? Là. Regardez la caméra parce que le public il est là, faut regarder. Sucette, c'est le pouvoir. C'est nul, c'est ringard. Stop. Yeah. Oh. Alors peut-être un centre des centres d'intérêt dans la vie, peut-être tous les deux. Moi j'adore le Millionnaire et je déteste ma sœur et j'adore la sucette. Que je t'aime, toi, peut-être. C'est toi qui m'as poussé à venir ici. Franchement, moi, j'en avais rien à faire. Bah, qui a gratté le ticket, vous deux? Ah, non, d'abord, c'est moi la première. Non, c'est moi qui... C'était ma pièce. Non, pas du tout. C'était mon ticket, c'était mon... C'était ma pièce. Non, c'était moi. Alors, j'espère que vous vous êtes décidé. Qui c'est qui va tourner la roue? Oui, c'est moi. Non, c'est moi. Non, c'est moi. C'est moi. C'est moi. Deux minutes plus tôt, je tourne la roue. Et alors, je suis une fille, donc je passe en premier. Ouais, prouve-le que t'es une fille. Ah ouais, tu veux voir ça un peu, hein? Regarde ça. Vous voyez, moi aussi, j'ai une sucette, hein, regardez. Donc ça peut pas haut, hein? Non, vraiment. Mais alors, descend d'intérêt, j'attends toujours. Moi, j'adore tout ce qui brille. Et d'abord, avec ce que je vais avoir, eh ben, je sais pas d'abord, mais en fait, je vais m'acheter plein de trucs. Un cerveau surtout. Je suis bien en cours, ça va être trop bien. Voilà. Et on va le savoir tout de suite, la roue va le décider du coup. Ouais. Qui c'est qui va tourner la roue? Nous allons tout de suite aller tourner. Moi. C'est moi. Non. Non, c'est moi. 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 Ok, c'est moi. Oh là, oh là. Gladys! Un scandale! Je ne peux pas tout l'arrêter, je ne peux pas peine maquiller, regarde! Je roule, là! Ici! Gladys! Gladys! C'est n'importe quoi! C'est une source nulle! Non! Gladys! Ça commence fort! Mais oui! Mais non, mais. Il ne
ne peuvent pas comme ça qu'il y a. Non, ils sont très bien. Ils sont parfaits, ils sont parfaits. Venez, 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 venez. Mais vous vous débrouillez très bien, Gladys, tout le monde le sait. Non, c'est moi qui tourne la roue. Bon, j'ai une idée. On va tirer à la courte paille. On va tirer au sort. Au sort. Tu fais de la magie? Non. Et bah alors. Bon. Alors. La magie, tu fais de la magie? Moi non, mais la roue oui. Oh magie, la roue est magique. Allez, un de vous deux se désigne pour tourner la roue, mettez-vous d'accord. On tourne ensemble. Ouais. Oula, ça va aller loin. Un, deux. Faites attention. Le million. Ah, tu peux répéter tout ça, c'est nul. Le million. Puis elle est lente cette roue. On peut pas aller plus vite. Ça c'est une fois que j'espère. Alors attention. Attention, la roue va s'arrêter. Regardez votre gain. Alors c'est la boule blanche qui prime. Attention, la boule blanche, ce sera 250 000 euros. Budget. Je savais. On aurait le million, c'est nous. T'avais qu'à pas tenir la poignée. D'accord. Bien, alors mes chers jumeaux, je vais vous demander de revenir sur notre plateau. Voilà, s'il vous plaît, merci. Donc, j'espère que ce gain vous satisfait. Oui. Non. Et dans ce cas-là, vous ne nous avez pas dit vos noms et vos prénoms. Moi, je m'appelle Et moi, c'est Ang. Donc, on a Ang. C'est comme si tu disais douche au lieu de bouche. Donc là, on a Ying et on a Yang. Ying. Mais non, moi c'est avec un L et lui c'est avec un H. Voyons. Donc lui c'est Ling. Mais non, moi c'est L. Ling et lui c'est H. Ang. Ang. C'est... Mais non, Ling. Et lui Ang. C'est facile à retenir. Alors peut-être que les téléspectateurs ont retenu. Moi je n'ai pas réussi à le retenir. Je vais donc vous expliquer, puisque les blondes n'ont pas le pouvoir. Malheureusement, nous n'avons plus le temps. Nous allons devoir céder la place au prochain gagnant. Donc, attendez, restez là, parce qu'on finit sur vous. Et on va vous souhaiter un bon retour. On va vous souhaiter... Non, sur vous, deux. On va vous souhaiter un bon retour du côté de... Merci beaucoup, Ling et Yang. Antonio. Marié, deux enfants, Antonio est originaire du Portugal. Il travaille à Paris où il dirige une entreprise de réparation de pare-brise. Il aime gérer son entreprise et porter fièrement les couleurs de son pays. Ses autres hobbies, toujours dans son entreprise, réparer les slash des pare-brise. Son rêve, agrandir son entreprise. Antonio! Bonjour Antonio, comment allez-vous? Bonjour, comment ça va? Le café. Bah vous l'avez pas pris dans la loge tout à l'heure, on vous l'a servi, il y avait même des gâteaux. Ah là là, c'est la femme ça. Faut pas faire attention. Alors Antonio, vous nous venez d'où? Je viens de Portugal. Et vous faites quoi dans la vie Antonio? Je travaille chez Carlos, c'est mon entreprise. Super entreprise pour réparer par blech. Des passions peut-être dans la vie justement. Mes deux enfants, super génial, et ma femme, un peu moins génial, et le Portugal. Ça, on choisit pas toujours, hein, malheureusement. Eh oui, c'est tout ce que je peux dire. Alors donc, vous êtes gérant d'un centre auto, c'est cela? Ah non, je suis gérant de Kaglouche. Kaglouche, super génial pour réparer le pare-brise, attention, mais si vous avez la chance de briquer glace, c'est gratuit. Mais attention, pas toujours. Comment ça, pas toujours? Parlez-nous un petit peu de Carglou, justement, votre entreprise. Vous avez l'air de beaucoup l'aimer. Alors, tu vois que tu as un impact sur ta voiture. Des fois, tu te dis, c'est bon, ça donne. Tu te fous de ma gueule ou quoi?
Et après, parce que c'est vrai que là, on est en été. Et l'été, c'est chaud, t'es d'accord? Oui. Donc, tu mets la climatisation à fond. Et là, slash! Le pare-brise, ça part en neige. Eh bien, bien sûr. Et cassé, donc, du coup, et vous faites quoi dans ces cas-là? Eh ben là, on peut réparer ton pare-brise. Mais tu vas payer la franchise. Quoi, la franchise? Ah, ben, c'est le prix que tu vas payer à nous pour empêcher le pare-brise. Alors que si tu ajustes ton impact, eh ben, tu m'appelles. C'est mon super numéro 00351 950 1921. Alors, les téléspectateurs, j'espère que vous avez bien noté parce que nous ne le répéterons pas. Et là, on boit le café et c'est parti. Je mets ma régie super technologique, super spéciale. Ça sont 30 minutes et ça se voit presque pas. Et après le pare-brise, c'est du solide. Et ben voilà. Donc pour tout problème de pare-brise, on fera appel à vous. Alors question, est-ce que vous faites aussi les vitres? Ah non, je fais que le pare-brise. Mais si tu n'arrives pas à me joindre, tu peux appeler mon cousin Pedro et il sera où vous me trouver. D'accord. Non, je disais ça parce que là on a un petit ennui avec la vitre qui est là, elle a un peu pété, donc je me suis dit. Je vais voir peut-être pour la régie super spéciale. Carglou, ça déchire. Voilà. Et donc passionné de cette entreprise, du moins. Ah, tout à fait. Et c'est à Portugal. Portugal, vous venez donc du Portugal. Alors donc comment vous allez faire parce que Millionnaire n'est pas commercialisé au Portugal. Oui, mais je suis installé de là, je suis originaire du Portugal. Ah, oui, l'accent, j'aurais dû m'en douter avec l'accent. Ah oui, bacarao. Ça, on a tout le patois portugais qui ressort d'un coup, là. Ah oui. Alors, vous avez une marque peut-être préférée de voiture, on va pas la montrer à la caméra parce que c'est inscrit sur votre casquette, mais peut-être une préférence pour cette marque-là. Ah non, pas du tout, tu vois, c'est un client me l'a donné pour réparation de son pare-brise. C'était l'été, slash, ça veut pas donner. Donc du coup, bah, j'ai mis la régine super spéciale et ça a tout donné. Et bah quand ça fait slash, on peut rien y faire, hein. Encore un petit coup peut-être. Encore un petit coup peut-être. Slash, ça a pas donné. Voilà, vous avez noté, c'est le nouveau slogan de chez Carglouche. Quand ça fait slash, faut aller faire réparer son pare-brise, c'est ça? Exactement, chez Carglouche, 00-351-9756-1912-72. Votre deuxième chance d'avoir noté le numéro. Alors nous allons peut-être tout de suite passer à la roue millionnaire. Ah bah oui, c'est vrai, je vérifie s'il n'y avait pas de trou, c'est bon, je peux la redonner. D'accord, et bah dans ce cas-là, vous allez aller vers la roue, vous allez monter sur l'estrade. Ah oui, alors je prends quelques petits problèmes, hein. Ah oui, je voulais prendre la trouelle, là. Et ton pare-brise, ton bois, il n'est pas comme le pare-brise, ça se plombe pas les règles. C'est pas la même matière en même temps. Ah oui, mais c'est ça. Oh. Et ben on changera peut-être ça après un tour de roue. Eh ben allons-y. Bien, alors quand vous voulez, je vous souhaite bonne chance, c'est parti. C'est parti. Mais bon, ça va faire les trois tours quand même. Alors toujours de 20 000 à 1 million d'euros, hein, peut-être des projets. Ah, je sais pas, peut-être agrandir l'entreprise, travailler sur plus de voitures, entendre plus de slash. Attention, et ça ne va pas retomber, c'est donc 20 000 euros. C'est pas génial, mais bon. Ah, ça fait toujours ça de gagner. C'est vrai, ça fait un petit voyage au Portugal, faut aider sur la crise. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de slash là-bas dans l'économie. Il y a des slash, hein. Eh oui, faut aider le pays, de Portugal. Et bah donc du coup Antonio, nous allons vous souhaiter un bon retour du côté du Portugal avec vos 20 000 euros. Merci beaucoup et à bientôt. Carglouche, c'est super. Bientôt. Merci Antonio. Bernard Lérisson, célibataire, Bernard est en recherche d'emploi et nous vient de la Green Hill Zone. Sportif, il pratique les courses en supermarché. Il aime sortir pour retrouver ses amis dans les bars. Ses autres hobbies, la pratique des bars parallèles. Son rêve, connaître le succès de son cousin. Bernard Lérisson. Oh là. Qu'est-ce qu'il fait? Toi tu bois un peu, hein? Tiens, un peu, hein? Ouais, attends, plan B. Attendez, mais vous avez pas de son là.
Non mais attendez, non mais là j'hallucine. Bernard, on est sur un plateau de télé là quand même. On boit pas d'alcool, on fume pas sur un plateau. Comment allez-vous déjà, Bernard? Ça va. Caméra là, parce que les téléspectateurs ils sont là et il faut que vous, vous les voyez. Ouais. Alors vous nous venez d'où, vous, Bernard? Je viens de la Green Hill. De la Green Hill Zone. De la Green Hill, ouais, j'ai rien compris. La Green Hill Zone. Green Hill Zone. C'est la Green Zone Hill, voilà. D'accord, je vois, d'accord. Et vous faites quoi là-bas? En fait, je m'appelle Bernard Le Hérisson. Et je suis de la même famille que Sonic. Ah oui, d'accord, je vois. C'est mon cousin. Et vous courez aussi vite que lui? Je fais ce que je peux. D'accord, oui. Effectivement, dans la famille, il y en a qui sont toujours mieux que d'autres, on va dire. Oui. D'accord. Et des passions peut-être? Vous aimez faire quelque chose en particulier? J'aime beaucoup le sport. Ah, vous avez peut-être un sport préféré? Non. Bon, pas de sport, pas de course, pas de raquette, pas de... Non. Bon. Et bah, mais vous pratiquez quoi alors? La course. La course? Ouais, en supermarché. C'est un peu... Attends, non. Mais vous m'avez dit sport, j'ai pensé à un truc, mais bon, c'était un peu obscène, donc on ne le dira pas à la caméra. D'accord. Autre que le sport, vous avez d'autres hobbies peut-être? J'aime beaucoup les bistrots, vous savez. Voilà, toujours caméra. Ils ont du mal les gagnants avec la caméra. Hein. Un petit peu. D'accord. C'était quoi ça? C'est le signe de la famille Hérisson. Vous savez, le cousin Sonic qui fait souvent ouais, too easy. Et puis bah moi je fais pareil, mais ouais, comme ça. Bon bah pourquoi pas, c'est le signe de la famille hein, en même temps, hein, on verra bien. Hein. Ouais. Donc, d'autres peut-être centres d'intérêt, ou peut-être un travail, un emploi. Peut-être. Alors, je vis du RSA et des allocations chômage, ça me permet d'avoir un petit salaire pour pouvoir pratiquer toutes mes passions, telles les bars parallèles. En fait, je vais dans un bar, je traverse la rue et je vais dans un autre bar, parallèlement. Ah bah oui, des bars parallèles, j'avais pas vu ça comme ça moi. C'est contagieux. Ah bah bon voilà. Mais vous êtes déjà passé. Mais pourquoi c'est toujours pourquoi est-ce que c'est toujours le délire sur ce plateau? Faut qu'on m'explique là. Je sais pas pourquoi. Non. Ah ben non. Ah ben non. Pas d'alcool, millionnaire. Non. Mais non. Non, on verra après. On verra après. On m'a demandé dans la famille une petite dédicace comme le cri de guerre. Bah je vais le refaire. D'accord. Ouais. Est-ce qu'on parle vraiment du même Sonic? Parce que j'ai du mal à retrouver des liens de famille. Vous savez, il y a les cousins éloignés et tout ça. D'accord, effectivement. Bon. Bien, et ben on va l'aider, on va tourner la roue, du coup. Oui. Du coup, on va aller tourner la roue. Alors donc, je vais vous laisser aller à la roue, peut-être de 20 000 à 1 million d'euros, en passant par d'autres segments, on ne sait pas. Donc là, je peux pas là. Je suis pas assez grand, je suis trop grand pour le plafond là. Bon. Voilà. Ah bah. Comme ça c'est mieux. Comme ça c'est mieux, ouais. Bien. Mais prendre la poignée là-haut. Ok. D'accord. Ok, bah je peux pas. Bon, bah vous allez faire comme vous allez, vous pouvez. Je vais vous attraper la poignée que vous voulez, je vous souhaite bonne chance quand vous laissez partir. Voilà, beau lancer. Il n'y a plus de balle, elle a disparu la balle. Donc, la roue tourne. Peut-être des projets? Non. Vous n'avez pas un gain minimum que vous espériez? Non, pas. Bon. Eh ben, écoutez, on verra bien, hein. C'est de 20 000 à 1 million. Je connais, c'est pas la peine de réexpliquer à chaque fois. Vous insinuez que tous les gagnants sont des cons? Non, pas spécialement. Mais concentrons-nous d'ailleurs plutôt sur la roue. Alors attention, la boule blanche va nous gratifier d'un combien? Attention.
20 000 euros. Ah non, non, regardez, un 20 000 bonus, cela vous fait donc 120 000 euros. C'est dommage, on n'est vraiment pas passé loin du million, ça l'a frôlé un hein, chouïa après, c'est vraiment dommage. Oui. Ça sera peut-être pas mis en ordre aujourd'hui, mais pour une prochaine fois. Peut-être. Bien. Alors, je vous. Bernard, je vais vous souhaiter un bon retour du côté de. De Green Hill Zone. De Green Hill Zone. Et puis, ben, bon retour. A bientôt, Bernard. Ouais, tout pour eux! Non! Ouais. Le temps que tout le monde revienne à la raison, nous allons faire un petit récapitulatif de tout ce qui s'est passé dans cette émission et l'on se retrouve juste après. Nous avons ouvert cette émission en découvrant Ling et Hang qui vont se partager 250 000 euros. Ensuite, Antonio de Cargouche repart avec 20 000 euros. Et enfin, Bernard, ayant frôlé le million, remporte 120 000 euros sur un segment bonus. Voilà, mesdames et messieurs, cette émission de millionnaire est désormais terminée. Vous venez de voir les récapitulatifs de cette émission de tous nos gagnants aujourd'hui sur le plateau. On va les féliciter pour leur magnifique prestation. Et nous, on vous dit à très bientôt sur le plateau du millionnaire. On se retrouve. Oui, Bernard, vous voulez dire un petit mot peut-être pour conclure? Je suis un imposteur, je ne suis pas Bernard. Tiens, comment ça? Un mec avec une perruque. C'est tout ce que ça vous fait. Vous savez pas. Non. Ah. Soyons heureux tous les deux. Moi j'ai la boisson, toi aussi. Trinquons. Et eh ben voilà, ils ont réussi à se mettre d'accord. Voilà. Bien. C'est sur cette note de joie que nous allons conclure Millionnaire. Nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission avec peut-être avec de nouveaux gagnants. En attendant, n'oubliez pas, grattez bien, mesdames et messieurs. Merci. À très bientôt. Au revoir.